Bienvenue à tous sur ce nouveau live ce soir. Un petit bilan que je voulais faire après une petite semaine, puisque finalement demain ça fera une semaine que chacun peut bouger, sortir librement, en tout cas un peu plus librement qu'avant. Et en fait, je voulais faire un petit bilan parce que durant toute la semaine, eh bien, dans toute la semaine confondue, j'ai eu deux situations, deux personnes, alors des amis notamment. Deux personnes qui se sont senties coupables, qui se sont culpabilisées en se disant par exemple: ah, c'est dommage, je n'ai pas eu assez de cran pour pouvoir aller aider, que ce soit pour, je sais pas moi, pour aller récolter, vous savez, il y avait des cueillettes ou des choses comme ça, ou aller aider des personnes en demande, aider des infirmiers. Alors j'ai eu comme ça, donc parmi mes amis, hein, deux personnes. En plus, qui ne se connaissent pas, hein, mais c'est un contact Facebook et un ami. Et en fait, ces personnes disaient: ah, mais si seulement j'avais osé être volontaire, si je n'avais pas eu peur, parce que, ben voilà, ça peut être des fois ce genre de questionnement qui vous culpabilise. Si, par exemple, je sais pas moi, si j'avais été un visionnaire, un révolutionnaire, il y en a qui sont allés jusqu'à là, hein, parce qu'il y en a qui se disaient: oui, si j'avais eu assez de cran, j'aurais peut-être réagi, j'aurais manifesté, j'aurais fait des choses. Vous voyez, souvent, il y a cette culpabilité que certaines personnes ont en voyant, par exemple, des gens qu'on qualifierait peut-être de leaders, qui sont capables de faire ce genre de choses, alors que d'autres, peut-être, sont là en train de s'inquiéter, en se sentant coupables, de se dire: oui, mais moi, je suis nul, je suis un lâche, je n'ai pas osé, je n'ai pas réussi à... Je n'ai pas eu le courage, la force, enfin bref, vous avez compris. Chacun, en fait, a son tempérament. Et ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi je vous le partage là, c'est parce que moi, j'ai eu deux amis, deux personnes qui m'ont dit ça, et j'imagine que peut-être parmi vous, eh bien, que ce soit vous-même, que ce soit des proches, peut-être s'en veulent de se dire: oui, moi, j'ai rien fait pendant cette période, je n'ai même pas bougé, j'aurais pu faire ceci, si j'avais eu assez de courage, de cran. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est justement déculpabiliser finalement ces personnes qui s'inquiètent parce que peut-être qu'ils n'avaient pas le tempérament adéquat, peut-être qu'ils étaient trop dans la peur ou trop dans l'introspection. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont introvertis, je veux dire. Et en fait, c'est vrai que parfois, quand les gens sont introvertis, timides ou ont peur, ils sont en admiration quand ils voient des grands leaders, quand ils voient des gens qui sont capables de soulever des foules, de bouger les choses. Et souvent, ces personnes-là, eh bien, sont là en train de se dire: oui, mais moi, j'ose pas, j'ai eu peur, etc. Par exemple, vous voyez, oser, par exemple, faire quelque chose, faire passer un message à l'écran, comme je le fais là. Peut-être que des gens étaient là, tout timides, dans leur coin, en train de se dire: ah, c'est dommage, moi, si j'avais osé, mais j'ai peur de parler dans un direct, j'ai peur de dire des choses, je suis trop timide. Voyez? Eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a son tempérament. Et il n'y a, en aucun cas, il n'y a besoin de se culpabiliser. En fait, j'allais dire que chacun, quelque part, est utile à son niveau, même s'il n'en a pas conscience. Bien sûr, c'est sûr que l'infirmier qui a été carrément au front en train de sauver des vies, etc., ben lui, j'allais dire effectivement, on peut se dire: ouais, c'est génial. Seulement, il y a plein d'autres situations, et je ne parle pas forcément de métiers, hein. Alors évidemment, oui, on peut aussi penser à tous ces métiers comme, ben, je ne sais pas, celui qui est éboueur, celui qui est... Même moi, mon métier, c'est thérapeute. Ben, j'ai aidé des gens pendant le confinement parce que j'ai eu des séances, donc je les ai aidés à ma façon. Je ne sais pas, d'autres sont boulangers. Eh bien, celui qui est boulanger, eh bien, en vendant son pain, qu'on le veuille ou non, eh bien, il contribue aussi, par exemple, par rapport à quelqu'un qui était chez lui, dans son monde un peu confiné, timide, perdu. Eh bien, peut-être à se dire: bon, allez, je vais m'acheter un petit gâteau, ça me fait plaisir, ou je m'achète du pain. Ou... C'est tout bête ce que je vous dis là, mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas à se culpabiliser, de dire: moi, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas bougé le petit doigt de tout ce qui s'est passé. En fait, je pense que chacun est à sa place et d'une manière ou d'une autre, vous avez tous, nous avons tous, une forme de mission à accomplir. En fait, quelque part, chacun a sa façon, quelque part, de contribuer.
Tout est absolument parfait. Vous voyez, j'ai pris note, moi, de ce que j'ai fait pendant cette période. Après, c'est moi, hein, j'ai fait ça, c'est moi qui l'ai fait, parce que j'ai eu ces idées, j'allais dire, j'ai vu des gens, j'ai des gens qui ont parlé avec moi de toute la créativité qu'ils ont déployée en se disant, tiens, j'ai eu cette idée pendant la période, j'étais seul chez moi et du coup, je réfléchissais à tel niveau, tel projet, peut-être même un futur métier qui pourrait contribuer. Moi, je vais vous dire ce que j'ai noté, parce que j'avais noté quelques petites choses, peut-être que vous le saviez déjà, mais dans cette période, pour me sentir utile, pour me dire, voilà, j'aimerais à ma façon contribuer. Alors, comme je vous disais, il y a des gens qui sont allés au front, il y en a, ils sont allés carrément aider des gens, il y en a qui sont allés faire des cueillettes pour aider à ramasser des fruits, des légumes, plutôt que ça se perde. Et puis d'autres ont fait à leur façon. Et moi, ce que j'ai fait, j'avais créé le groupe Stop Solitude, dans lequel il y a toute une liste de personnes qui sont bénévoles pour être à l'écoute. Et ça a l'air de fonctionner parce que j'ai eu des retours, des gens qui étaient seuls et qui s'en sont servis de cette liste, qui ont appelé. Bien voilà, j'allais dire, moi, j'ai mis la main à la pâte à ma façon. Et on n'a pas besoin d'être révolutionnaire ou d'être infirmier ou ce genre de choses pour se sentir absolument, on va dire, dans cette énergie-là de l'aide. On peut aider de différentes manières. Alors évidemment, oui, celui qui a réussi à effectivement à aller sur place, à aider des gens, c'est génial. J'allais dire bravo, chapeau. Maintenant, l'idée, c'est que je m'adresse à toutes ces personnes qui se sont ou qui se culpabilisent encore aujourd'hui de se dire mince, j'ai même pas bougé le petit doigt, moi je suis resté égoïstement chez moi et je n'ai rien fait. Eh bien, peut-être que non, peut-être que vous avez contribué sans vous en rendre compte, de façon peut-être humble, modeste, peut-être en écrivant un message à un ami pour lui remonter le moral. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, chacun a contribué à sa manière. Alors, je reviens sur ce que je vous disais. J'avais créé le groupe Stop Solitude, j'ai créé le réseau d'entraide pour pouvoir finalement faire en sorte que les gens dans le besoin puissent se dire, tiens, bien, à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider. J'ai aussi fait donc des séances, puisque forcément c'est mon métier. Donc, quand j'étais sollicité, eh bien, à distance, eh bien, je faisais mes séances de thérapie. Donc, je faisais, comme vous l'avez peut-être remarqué, souvent des Facebook, des lives, parce qu'à travers mes messages, à travers ce que je véhicule, alors il y en a, ils s'en fichent complètement, mais il y en a pour qui ça leur fait du bien. Il y en a qui m'ont même dit, ah, ça m'a fait plaisir, ça m'a aidé, ça, pour certains, ça leur a même remonté le moral. Donc, l'idée, c'est de ne pas se sous-estimer dans ces moments particuliers. L'idée, au contraire, c'est de se sentir en harmonie avec le groupe, avec les autres. Et ce que j'ai fait aussi, j'avais créé un programme complet pour les séances à distance. Donc là, c'est plus pour les gens comme moi qui font des accompagnements et qui se sentaient un petit peu désorientés, parce qu'il y a même pourtant des professionnels qui connaissent leur métier et qui pourtant se sont sentis complètement démunis du jour au lendemain de devoir travailler à distance, en se disant, mais comment je fais? J'ai jamais fait ça, j'ai toujours reçu des gens. Eh bien, j'avais donc conçu ce programme qui est toujours en ligne, hein, sur mon site. Et en fait, tout ça pour vous dire, c'est pas pour me lancer des fleurs et pour dire regardez tout ce que j'ai fait, mais c'est pour vous dire que si dans votre monde intérieur, vous avez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, eh bien, l'air de rien, observez, faites-vous aussi une petite liste. Je suis certain que vous avez contribué, ne serait-ce qu'en donnant, par exemple, une super recette de cuisine ou de pâtisserie à vos amis, en envoyant une photo d'un endroit où vous étiez peut-être dans la verdure. Peut-être que vous avez inconsciemment et indirectement remonté le moral de quelqu'un parce que la personne, elle était dans son appartement et vous lui avez fait du bien en lui envoyant un petit bout d'un petit film que vous avez fait, par exemple. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas à se culpabiliser, comme les deux amis dont je vous parlais. Il n'y a pas à se dire mince, mais je suis nul, j'ai même pas été capable d'eux. Qu'importe ce que vous avez fait, l'idée c'est de pouvoir valoriser et valider surtout ce que vous avez fait, de vous dire oui, je reconnais avoir fait ceci et ça a certainement aidé quelqu'un. Par exemple, vous savez, il y a des gens qui ont fabriqué des masques. Eh bien, ça peut paraître banal, mais en attendant, même si la personne n'en a fait que quelques-uns, elle a contribué aussi. Ça permet là aussi de faire tourner les choses. Alors c'est vrai que le masque à gaz,
C'est pas un jeu de mots, hein, le masque à gaz. J'ai pas dit à gaz. Voilà, donc le masque à gaz, c'est vrai, je remarque beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé me disent oui, bon, faut dire que si on regarde dans la symbolique du masque, on sait, le masque, c'est un symbole d'esclavage, d'obéissance, on le sait ça. C'est même, par exemple, quand on dresse un chien et qu'on lui met une muselière, eh bien, ça sert à faire taire le chien, en fait, pour ne pas qu'il aboie. C'est sûr que le masque, ça représente la soumission et on utilise, c'est utilisé, paraît-il, en magie noire également. Donc imaginez dans la tête des gens, psychiquement, le fait de pouvoir se museler et ne plus pouvoir parler. Eh bien, effectivement, c'est, comme on disait, oui, une forme de soumission. Ça veut dire ferme-la et avance, quoi, en quelque sorte. Maintenant, on est face à une réalité, c'est-à-dire qu'on est, on va dire, obligé, en quelque sorte. Surtout, par exemple, dans les transports publics, eh bien, on est obligé. Donc, l'idée, c'est comment détourner cette obligation, malgré nous, qui fait que, bon, on n'a pas forcément envie. Alors, il y en a, par peur, ils le mettent. Et puis il y a les autres qui disent oui, j'en ai marre, j'arrive plus à respirer. J'ai même lu récemment, là, il paraît qu'il y avait un couple dans un supermarché. Il paraît que la personne, le monsieur, n'arrivait plus à respirer et donc sa femme lui a retiré le masque. Et comme une bouffée d'oxygène, ça faisait du bien. C'est vrai que quand on est dans le masque, eh bien, on récupère le gaz carbonique en quelque sorte et ce n'est pas forcément favorable. Donc à la limite, il faut aussi penser à ça. Si vous êtes avec du monde, pourquoi pas, mais si vous êtes en pleine nature, eh bien j'allais dire profitez de la vie, respirez à plein poumon parce que c'est quand même utile quand même de pouvoir respirer, c'est comme ça qu'on vit. Donc pour en revenir à cette idée de soumission ou d'esclavage par rapport au masque, même si, dans l'absolu, vous dites, ah oui, mais moi, j'aime pas ça. Mais seulement, comme je vous dis, si on n'a pas le choix, ben, il faut faire avec. En tout cas, dans les endroits concernés. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Eh bien, voyez, par exemple, j'ai remarqué, j'ai vu sur Internet, il y en a qui ont fait preuve de créativité. Pourquoi absolument porter, par exemple, un masque noir, sombre? On a l'impression que c'est vraiment le truc qui vous enferme. C'est pas agréable à voir. Pourquoi ne pas mettre de la couleur, tout comme il y a des maillots de bain colorés pendant l'été? Je suis persuadé qu'il y a des gens qui, parmi vous, ont peut-être pensé à une sorte de collection, entre guillemets, une collection estivale. Il y avait bien le maillot de bain 2 pièces, pourquoi il n'y aurait pas le maillot de bain 3 pièces? Je pense aux femmes notamment. Eh bien, d'imaginer effectivement quelque chose de coloré. On peut même, et alors j'avais pensé, figurez-vous, à quelque chose, et aujourd'hui on m'a dit que ça existait déjà. J'avais pensé à l'idée, parce que quelque part l'idée c'est que quand quelqu'un porte un masque, eh bien, on ne voit pas sa bouche, on ne voit pas son visage. Et apparemment, quelqu'un y avait déjà pensé avant moi, puisque je me disais, ça serait quand même bien d'avoir une zone transparente pour voir ce qui se passe au niveau de la bouche. Et notamment pour les personnes qui sont sourdes et qui ont besoin de parler avec le langage des signes et de lire sur les lèvres. Eh bien, apparemment, on me l'a dit aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu des personnes aujourd'hui en rendez-vous, et quelqu'un m'a dit, si, si, ça existe déjà. Bon, ben, super. Donc, voyez tout ça pour vous dire que qu'importe le métier que vous faites, qu'importe les idées que vous avez, ce n'est pas forcément lié au métier que vous faites, mais ça peut être simplement des idées, des choses qui vous passent par la tête. Eh bien, l'idée, c'est de penser que la créativité est en route. Ça veut dire que, quelque part, par rapport à des choses comme là, l'histoire du masque obligatoire dans les transports, eh bien, pourquoi, puisqu'on n'a pas le choix, pourquoi ne pas en profiter pour faire effectivement quelque chose de coloré, d'agréable? Je vous dis, moi aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais un petit peu en balade et je voyais des gens qui étaient complètement mais muselés alors qu'ils étaient tout seuls en plein air. Il y avait la nature, mais ils avaient le super masque qui cachait carrément tout le visage, sans compter ceux qui ont des masques tout noirs. Bon, personnellement, je suis pas fan, hein, mais bon, je veux dire, autant mettre des choses plus agréables, plus colorées. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment, on est tous libres. Mais je veux dire par là que vous voyez un petit peu à votre niveau, là je parle de masque, mais je parlais tout à l'heure de plein d'autres choses, des idées, véhiculer des informations, des choses comme ça agréables.
Eh bien, l'idée, c'est de vous poser la question en vous disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais avoir moi comme idée créative? Qu'est-ce qui pourrait me passer par la tête et qui pourrait être utile de nos jours par rapport à des choses pour contribuer, pour faire avancer? Alors, ça peut être des idées, ça peut être, je ne sais pas, moi, je vous ai dit tout à l'heure des gens qui partageaient leur recette de pâtisserie. C'était d'ailleurs appétissant. J'ai vu des recettes assez sympathiques. Eh bien, l'idée, c'est de réfléchir à ça. Alors, même si aujourd'hui on peut se dire, bah, ça y est, c'est fini le confinement, oui, seulement vous avez peut-être des idées par rapport à l'avenir, par rapport à des possibilités, des choses auxquelles peut-être personne n'avait pensé jusqu'alors. Eh bien voilà, c'est un peu l'invitation du soir, c'est de vous dire que finalement, il n'y a pas à vous culpabiliser, nous sommes tous utiles quelque part, nous sommes tous un maillon de la chaîne. Si vous voulez, pour finir là-dessus, imaginons un puzzle grandeur nature, mais de façon mondiale. Eh bien, nous sommes tous une pièce du puzzle. Donc, l'idée n'est pas de vous sous-estimer en vous disant oui, mais moi, je vois pas à quoi je peux servir, je vois pas ce que je pourrais faire, comment faire pour aider quelqu'un ou agir. Vous avez tous ce pouvoir. On a tous, à notre façon, ce pouvoir de se réunir de façon même, j'allais dire mondiale, n'ayons pas peur des mots, de se réunir pour quelque part véhiculer de l'information, véhiculer des idées, de la créativité à tous les niveaux. Voilà. Donc, je vous invite à y réfléchir. Ça pourrait être intéressant. Bon, moi, j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'ai créé des groupes. Je suis ici en train de vous parler, donc j'ai fait des directs pour essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire passer comme information. Tant mieux pour les gens à qui ça a servi. Pour les autres, bah, peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose. Chacun a sa contribution. Et moi, je vous invite, comme je vous disais, à réfléchir sur votre contribution à vous, à votre niveau. Comment vous avez, par exemple, peut-être aidé quelqu'un à se remonter au niveau de son moral. Comment vous avez aidé quelqu'un à le faire sourire, peut-être en lui donnant une idée amusante, quelque chose de sympathique. Et pourquoi pas, d'ailleurs, pour finir, partager ici, dans vos messages respectifs, en disant, voilà, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ce n'est pas de l'avantardise, ce n'est pas du nombrilisme, c'est simplement de faire passer le message qu'on est tous différents et on a tous, j'allais dire, une pierre à apporter à notre édifice, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est tous utiles les uns vis-à-vis des autres. Voilà, donc en espérant à mon niveau que ce que je viens de vous dire sera aussi utile, peut-être pour réfléchir à ça et de vous dire, tiens, oui, j'y avais pas pensé. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, même si vous n'êtes pas mis en avant par rapport à votre métier en disant, oui, mais moi, je n'étais pas là-bas, je n'ai pas pu aider les gens, etc. Eh bien, peut-être que vous avez aidé d'autres personnes à votre manière. Voilà, eh bien, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, je vais lire avec plaisir vos commentaires si vous marquez des choses. Bonne soirée à tous. Merci.